Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Christophe Castaner, alors un syndicat de policiers a dénoncé des jets d'excréments dans les manifestations de gilets jaunes. Eh ouais, mon oiseau de paradis. C'est mignon. Ça, c'est nouveau. C'est nouveau, c'est tout. Tu te rends compte où on en est? Ouais. Il y a des marioles qui jettent des colombins sur les forces de l'ordre. Je fais quoi, moi? Je demande au CRS de remplacer leurs boucliers anti-émeutes par des rouleaux de PQ. Au lieu d'envoyer des gaz lacrymaux sur les gilets jaunes, on balance du Febreze. Il est ministre de l'Intérieur, le Totof. Pas d'âme pipi. De toute façon, moi, je vais te faire un truc. Je vais te dire une confidence, ma chatounette. Moi, je peux pas supporter qu'on lance de la merde. Et je parle pas que des gilets jaunes aux manifs. Mais aussi du DJ au Niagara, là, samedi dernier, qui a lancé Twist à Saint-Tropez de Dick Rivers. Alors que tout le monde lui demandait du Johnny. Moi, je peux te dire que j'ai pas laissé passer ça. J'ai pas remonté mes manches, parce que j'étais déjà en chemisette. Mais ni une ni deux, je suis allé voir le loulou au platine. Je lui ai dit, pousse-toi et laisse faire l'artiste. Et là, le Totof, il a réveillé tout le monde avec un mix endiablé de Johnny et de Frédéric François, que je t'aime à l'italienne, ça s'appelle. Et ben, crois-moi, ma caille en sucre. Leur pseudo DJ, là, il en a pris plein la vue comme un gilet jaune en manif. Attention les loups, les petits clous, on change de partenaire, c'est l'heure du Madison. Hey. Avec Totof, c'est la classe à Arras, le style à Charleville, et je te rentre dedans à ce nom. Très chic, merci beaucoup Christophe Castaner. François Hollande, oui. Alors dans une vidéo dévoilée dimanche sur internet, vous vous adressez aux lycéens français en proposant de venir à leur rencontre. Bonjour. Bonjour Monsieur Hollande. Alors c'est vrai que c'est un peu spécial comme initiative. Normalement, quand un monsieur de 60 ans contacte des mineurs sur Internet pour leur proposer un rendez-vous, c'est un peu flippant. Oui. Mais là, je vous jure, c'est juste pour parler. Hein. C'est pas un casting pour Morandini. Je veux faire profiter des lycéens de mon expérience à l'Élysée et discuter avec eux de sujets primordiaux tels que l'Europe. Très bien. Disons que si c'était un site de rencontre, ça serait adopteunprésident.com. Sauf que moi, on ne peut pas me mettre dans un caddie parce que je ne tiens pas dedans. Là, il faut au moins une remorque, quand même un transpalette ou un Fenwick. Oh, d'accord, bonjour. Monsieur Hollande, mais bonjour. Et donc sinon, ça se passe comment concrètement si des élèves veulent que vous veniez les voir? Eh bien, je l'explique dans la vidéo. Vous n'avez pas regardé ou quoi? Non, je plaisante, Madame Gosselin. Je sais que personne ne l'a vu. Dans les tendances YouTube, je suis 487 millième. Il y a des tutos pour refaire soi-même les joints en silicone de sa douche et des chats sur des skateboards qui intéressent plus les Français que moi. Donc, bien, j'explique pour les jeunes qui écoutent RFM. Les jeunes qui écoutent RFM, là. Eh, dites donc, même quand je fais pas exprès, je fais des blagues, quoi. Oui. J'explique donc pour que les gens qui écoutent RFM le répètent à leurs petits-enfants qui sont au lycée. Merci. Vous me posez des questions sur parlerdeurope @cabfh.fr. Mm-hmm. Et moi, je vais y répondre dans votre classe. Ah, ça va vite, donc. Ah. J'ai déjà un message. Super. Bonjour. Alors, bonjour, monsieur. Vous êtes qui? Ah ben, ça commence bien. Ah, autre message. Ça serait bien que tu viennes dans notre lycée. Et ben voilà, c'est constructif. Bah ouais. Ah, il y a la suite. Comme ça, la conseillère d'orientation pourra enfin t'aider à trouver un travail dans lequel t'es compétent. Ah, je suis sûr que là, c'est bon. Alors, Alicia qui veut entendre ce que j'ai à dire. Ah non, c'est juste Julie qui me dit de ne pas oublier le pain. au revoir. Au revoir, monsieur Hollande. Laurent Wauquiez, alors vous vous êtes déclaré favorable à une semaine de travail de 42 heures. Tout à fait, madame Blanchard. Mais il y a une vraie logique dans mon programme. J'ai des idées d'il y a 50 ans. Donc je veux qu'on travaille autant qu'à l'époque, dont je m'inspire. D'accord? Oui. D'ailleurs, madame Gonsuin, si je deviens président, ça va être compliqué pour vous. Vu le temps que vous bossez chaque jour, pour faire une semaine de 42 heures, il va vous falloir plusieurs semaines. Salut, c'est Montebourg. Salut. Salut Arnaud. Alors, on n'est pas d'accord idéologiquement, mon con? Mais là-dessus, on est sur la même longueur d'onde. Ils foutent rien, les deux, là. Je leur disais encore hier, là, leur journée de travail, là. C'est ce qu'un Français normal appelle une pause déjeuner.
Et encore là, c'est en prenant tout votre temps de présence, les amis. Hein. Parce que si on retire les moments où Calogero ou Amir poussent la chansonnette, vous êtes aussi productif qu'un vendeur de glace qui emploierait Philippe Croison. T'as intérêt à aimer les cornets nature. Salut Polo. Je t'avais pas vu derrière ta régie, là. Tu vas bien? Hey, tu sais que tu devrais te présenter aux Jeux Olympiques, toi? Ah bah, vu le temps que tu passes à envoyer de la musique pour lancer du disque, t'es médaille d'or direct, mon salaud. Merci beaucoup, monsieur. Il est au plancher, il s'est étouffé. Salut, Sylvain. Merci, monsieur Montebourg. Et bonjour, Stéphane Guillon. Alors, on termine avec vous. Je crois que vous vouliez rendre un dernier hommage à quelqu'un qui nous a quittés il y a peu. Oui, Elodie, il s'agit bien sûr du grand Karl Lagerfeld, qui, conformément à ses dernières volontés, a été incinéré ce week-end. Eh bien, figurez-vous que, même sous cette forme, il prend toujours plus de place que les mannequins qu'il aimait faire défiler. Quand même. Et on comprend qu'il ait préféré l'incinération, Karl. Finir avec des squelettes, ça lui aurait trop rappelé son travail. Ouais. D'ailleurs, Elodie, Albert, vous avez sans doute entendu la nouvelle. Il se pourrait que ça soit Choupette, le chat de Karl Lagerfeld, qui hérite de la fortune du couturier. Oui, oui, oui. En apprenant ça, Laetitia Hallyday aurait immédiatement déclaré... Miaou. Bravo Marc-Antoine. Super chute, bravo. Marc-Antoine Lebray qui joue son spectacle en ce moment à Paris, à l'Alhambra, et c'est avec RFM. Il est 8h22, on continue notre matinée avec Indochine.